Eh bien, bonjour à tous, c'est Sergent Schneck. Alors, on se retrouve donc pour l'épisode 10 de Civilization 6. Avec les Germains encore, hein, bien sûr, on va pas s'arrêter là. Donc, je vous rappelle, les Chinois nous avaient. Enfin, on a. Dans l'épisode, on avait. Non, c'était dans l'épisode encore avant. Donc, la guerre avec la Rome est terminée, pour le moment. On reprendra peut-être plus tard. Mais pour le moment. Juste après, la Chine nous a déclaré la guerre. Donc, on est en train de refaire la guerre. Sauf qu'ils ont tellement de. Comment dire? Tellement de civilisation de retard, on va dire. Hein, enfin, je sais pas comment. De temps, d'air de retard, de recharge de retard que. Bah, on a énormément d'avance. Tiens, on va pouvoir faire le médecin après, c'est bien. Et hop, on passe au tour suivant. Donc, on est reparti sur une petite vidéo de 40 minutes où on va avancer le plus possible. On est déjà arrivé à l'ère atomique quand même. Tour 160, ère atomique, les gars. On ne plaisante pas. En fait, je sais jamais qui ils attaquent. Ah, mais ils attaquent l'éclaireur. Alors que je leur attaque la. Pourquoi? Ah, par contre, vous allez vous dégager de là, s'il vous plaît? Vraiment? Ça me saoule là. Attendez, il est où mon ap. Mon apôtre. Mais du chouette là. Ah. Quoi? Mais encore? Comment? Pourquoi je suis belliciste? C'est pas moi qui ai déclaré la guerre aux Chinois. Vraiment, on est belliciste parce qu'on a déclaré la guerre ou un truc comme ça. J'ai déclaré aucune guerre, moi. Vraiment. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave, hein. Si je dois faire une guerre sur deux fronts, je la ferai sur deux fronts. C'est pas comme si j'avais pas beaucoup de soldats ici et que j'étais en train de tout défoncer. Alors, bâtisseur. Ici. Ouais. Tac. Personnage Genius, qu'est-ce qu'on a? Déclenche un Eureka pour l'informatique. Mais j'en ai. C'est dommage, j'ai déjà. Permet à cette ville de construire un quartier de plus de max de population. Nickel. Où es-tu? Là. Toi. Alors, mon apôtre. Promotion, qu'est-ce que je peux avoir? Propager et camp barbare. En vrai, il y a un camp barbare là. Go faire ça. Je sais pas comment ça marche. Après. Les barbares ont souvent. Bon, par contre, toi. C'est chiant. Alors. Attaquons. Bon, lui, il peut toujours être promu, mais comme enfin, ce soldat-là peut toujours être promu, mais ça sert à rien que je promouvoie tout de suite. Qui c'est qui peut attaquer? Piquier. Allez, hop, on attaque. Oh, serait-ce la fin de cette ville déjà? Ça m'a l'air. Eh oui, c'est la fin de cette ville, on a déjà pris la première. Oh, on a les pyramides, nice. Ah, mais il est là, mon apôtre. C'est lui que je cherchais, je l'ai pas vu. Ok, alors annexer la ville. Il y avait les pyramides dedans, il y a du sel. On va la prendre. Bon, allez. C'est pas. Elle est pas si dégueu que ça. Pff. On pourra avoir accès à l'argent ici. On a encore du sel là. En vrai, ouais, ça va. Ok, choisir une prod. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire un moulin à eau. C'est bien les moulins à eau. Alors, ce bâtisseur-là, il va aller faire quoi? Alors, attendez. Pourquoi il. Ah, parce que c'est une colline, c'est pour ça qu'il peut pas aller juste là. Il lui reste deux constructions. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller là. Je vais faire ça. Peut-être faire une scierie en même temps. Ouais, on va faire ça. On va aller là. Puis faire une scierie. Là. Unité en attente d'ordre. On a ce bâtisseur ici. On va réparer ça. Mais. On va faire le con, on va mettre avec mon cavalier qui est là. Attention. Bon, bah, eux ils vont tomber rapidement, hein, les Chinois, ils sont pas ouf. Mais c'est bien en plus, ils me débarrassent des éclaireurs et tout. Qu'ils sont gentils.
Alors, on va regarder un peu vite fait. Culturel, culture. J'ai 12 sur 90 touristes, quand même. C'est pas trop mal. En vrai, on pourrait gagner en culturel, je pense. Science. Ah. Oh. Bah, accepté. Mais de rien, comme ça j'ai le libre passage vers chez lui. Hein? Allez, donc ils. Ah, parce qu'ils sont en train de faire la guerre. Oh non! Mais faites pas la guerre dans mes régions! Comment. Oh, putain, comment propager toute la religion là où il y a ma. C'est chiant ça. Ah, elle va passer bientôt à 14. Berlin est beaucoup plus gros que Aix-la-Chapelle alors qu'Aix-la-Chapelle était première. Bah pareil pour elle. Mais là, Aix-la-Chapelle va commencer à beaucoup plus progresser, je pense, maintenant. Ah, va falloir qu'on fasse le crabe, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des trucs bien, ça. Oula, ça parle d'imbécile. Alors, oh, on s'en fiche de la foi, là, on va dire, maintenant. Ça, c'est bien. Et voilà. Pourquoi tu... Je peux pas... Ah, parce qu'il m'en manque une là, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter? Construction pour y avoir une unité de combat rapprochée. Piège des quartiers, bleu expérience. Nanana. On va faire ça. Il n'y a pas grand-chose qui est intéressant de toute façon. Ah ouais, bon, ouais, écoute. Ça c'est bien, la ville attaque directement, c'est. Ah oui, parce qu'il n'y a plus rien. Okay. Alors, par contre, acheter. Bâtisseur. Bon, on va continuer la guerre. Hein. Je vous le dis. Toi, on va promouvoir contre les défenses de quartier. Nickel, c'est ce qu'il me fallait. Hop, on va aller là et on va le retrancher. Mon chevalier, on va le retrancher. Bâtisseur, il va aller s'occuper du bétail. Après, j'ai soit le riz, soit ça, mais on va faire ça aussi, les crabes. Choisir un dogme. Colonialisme. Ok, alors, ici déjà, Shennung. En plus, ça apporte pas mal de choses, Shennung. Alors, ici. 3 niveaux de promotion et un bonus d'expérience de 50% pour une unité navale. Ok, recruter. Putain, j'ai trop de. Oh, nice. Alors, attendez. On va faire un U-bot de génie, les gars. Non, mais pourquoi? Non, pas toi. Stop. Oh, putain. Alors, stop. Toi, là. Promotion disponible. Hop. Rapporte de l'or. Hop. Toi, là. On va mettre un Ubot de ouf, quoi. Promotion disponible. Nickel. Alors, c'est celui qui est là-haut, je suppose, ça. Ouais, nickel. Ah, ils recommencent à ramener leurs soldats. Ils vont vouloir me réattaquer. Alors, cet arbalétrier va rester là. Le chevalier, tu reviens là. Tu te retranches. Bâtisseur, tu vas te faire. Petit. On va faire une ferme, ouais, c'est encore ça. On va faire une ferme, faut que j'augmente un peu la prod de cette ville. Nice. Choisir prod. Alors, Magdebourg, on va faire un complexe portuaire. Est-ce que je peux faire autre chose? Ah, cuirassé à vapeur, ça peut être intéressant. Écoutez, on va faire un cuirassé à vapeur. Après, on se formera de cela après-midi. On va faire déjà le complexe. Ça peut débloquer des choses. Ici. On va continuer. On va finir ça. Hop là, on y va. On est pas trop mal, ça va. Faut juste que. Enfin, en militaire, là, j'ai pas une grosse armée, mais j'ai une armée assez solide, quand même. Ah! Oh putain, tout ce qu'il me donne. Allez, on accepte le marché. J'ai pas envie de faire la guerre trop longtemps contre la Chine. De toute façon, ça ne sert pas à grand chose de faire une guerre aussi longue contre un pays aussi mauvais. Elle m'apporte vraiment rien. Là, en fait, le mieux c'est que je détruis. Oh, à la rigueur, j'aurais pu les prendre pour avoir la vision bien ici, comme il faut.
Et après, je me retournais vers la city. Mais putain! Mais c'est chiant! Allô, vous êtes chiant. Je sais pas. Parce que quand on a mis un apôtre avec un truc, je sais pas du tout comment ça marchait. Alors, qu'est-ce que tu veux? Quoi? Ah, faire un don. En vrai, j'aimerais bien qu'elle soit mon alliée. Donc, ouais, on va faire un don. Comment puis-je vous remercier? Ben, en étant plus gentil avec moi, non? Peut-être, parce que bon, t'es quand même hostile, là. Discuter. Non. Rotis Belli. Non. Faut que je fasse une route, donc faut que je l'achète un truc là-bas. Délégation, commander. Bah, je sais pas. Ah, on a Oxford. Ah, d'accord, il y a Monsieur Crapaud. Attends, la bonne musique. Nickel! Hein? Si nous construisons une station balnéaire, nous pourrions profiter de cette attirance nouvelle pour l'océan. Ça, c'était bizarre. C'est une chose de formuler. La radio est le théâtre de Ah, d'accord, j'ai recherché du. Ah oui, parce que oui, c'est vrai que ça faisait ça. Je sais plus ce que ça fait d'autre, faudra que je regarde. Alors, toi, tu peux recevoir une promotion. Ah, oh! Canon de campagne. Oh, insuffisant. Oh! Défense de quartier aussi. Passer à Mayence, Berlin. Je vais acheter ça. Ok, alors choisir Prolude. Prod. Alors, ici, on va faire un musée d'art ou un musée d'archéologie. On va faire un musée d'art ici sur cette ville-là. Alors, Berlin. Donc tu manques d'habitation, de ce que j'ai vu. Bah, tu manques d'habitation, mais on va peut-être quand même te faire faire une. Oh, on peut faire le Ruhr. Oh, oh oui. Ah bah oui, on va faire le Ruhr. Hein. J'ai très peu en plus, donc ça va me permettre d'améliorer mes tout ce qui est. Alors, il a fait la paix, donc on va quand même laisser quelques petits soldats là, mais on va ramener. Ramener la plupart de mes soldats vers le haut. Oh oui, d'accord. Ça va pas trop loin, dis donc. Le petit bâtisseur ici, tu vas aller me faire ça. Construire mine. On va laisser juste cet arbalétrier là. Ici. C'est tout. J'ai pas besoin de grand chose d'autre. Alors, mon apôtre, par contre, qu'est-ce que tu fous là? Alors, tu vas aller reprendre. Ah non, c'est celui qui. Ouais. Go s'amuser. On va plus vite en bateau. Bah, go en profiter. Ah bah non. Bah, il détruit le village barbare. Alors, ici, j'ai dit le crabe. Sauf que c'est con, là, il me gêne. Mon U-boat, encore une promotion. Puissance de 10 contre des unités navales. Hop. Et toi? Allez, pas trop forte, hein, cette U-Bot. Là, il a pas fait une seule guerre, il est déjà plus 2 et tout, enfin. Pas dégueu. Pas dégueu du tout. Go faire la série. Allô? Ça nous améliore la prod comme ça. Nickel. Hop. Alors, ici. On va se faire. Faire si ça, ça. Tour suivant. Bien. Bien, bien, bien. Alors, plus on a de marée dans l'an, plus on a la culture. Un truc comme ça. Enfin, plus il y a de gens qui viennent nous voir. Donc, au prochain tour, on pourra faire des réseaux d'égouts. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Oh putain, mais plus apôtres. J'ai combien? 242, j'ai pas assez en plus pour. Non mais barrez-vous avec vos apôtres, sinon je vous éradique les gars, hein. Vraiment. Ça me saoule.
Putain, j'ai pris la ville, maintenant ça se transmet encore plus ici. Hein. C'est cool. Là, elle est à moi aussi. Point de vue religion, je suis en vrai pas trop mal. Mais quoi? Voilà, nickel. Or, ouais. Oh, il me l'a capturé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh putain, oui, on a plein de. Alors, on peut faire la chimie qui peut être intéressante. L'aéroport. Oh! Oh, oui. Faut faire construire 3 biplanes. Ah, mais ça prend que 5 tours. En vrai, on va faire ça. Comme ça, on a des unités anti-char un peu meilleures. On fera chimie cuirassée. Acier, pardon, vol avancé. Ok, on va faire ça. Alors, arbalétrier. On te monte en ça. Je sais pas ce que je voulais vraiment faire sur le coup, mais c'est pas grave. On va se faire des mines à fond là pour qu'ils produisent plus vite. Apôtre. C'est trop bien. En vrai, est-ce que je peux pas attaquer? Non, je peux pas attaquer. Il y a vraiment aucune ville qui est au bord de l'eau pour le moment. Enfin, je sais pas la range en fait. Ah, pourquoi je suis à moins 6 là, au low? Pourquoi tour avant déclin? Ah, ils sont affamés. Oui, bah écoutez, j'essaie de faire ce que je peux quoi. Va falloir que je fasse des fermes aussi. Alors voilà, tour suivant déjà. Alors lui, eux ils vont me demander de rebouger cela. Non. Alors on va avoir l'aluminium aussi à un moment. Alors, où mon chevalier? Là. Alors désolé, on était parti sur le front, la guerre s'est bien passée, ne vous inquiétez pas, ils ont tout de suite fait la paix. Putain, mais j'ai des soldats toujours à plus 2 et tout, c'est trop bien. Alors mon U-boat. En fait, faudrait que j'aie la recherche des trucs télécommandés, je pense. Bon, on va le laisser là pour le moment, mon U-boat. On verra quand on fera des guerres navales. Je crois que, ouais, il faut que j'ai le. Ah, oui, d'accord, je suis en avance, dis donc. Ils sont où les sous-marins télécommandés? Là. Sous-marin nucléaire. Hein? Attaque à distance, ouais, mais est-ce que pas. Est-ce que les U-bots d'avant, ils attaquent pas à distance par hasard aussi? Ah non. Ok, faut que je passe en télécommandé. En sous-marin nucléaire, quoi. Il va falloir que je passe sur la fusée aussi, donc la chimie va me permettre de passer sur les fusées. Après, faut que je fasse pièces de rechange, acier, pour pouvoir aller dans combustion et là. Ok. Avec combustion, ah oui, non, combustion, il faut que j'ai tout ça et je suis pas du tout parti là-dedans. Bon, faudra que je le fasse. Ok. Oh, nice. C'est tellement ça. Pourquoi non, vous êtes sus un. Ça rapporte tellement. Oui, bah, ça rapporte plus que ce que j'ai là. Enfin, je sais pas. Mais en vrai, ça apporte tellement beaucoup. Enfin, ça apporte pas mal quand même. Oh nanana, ouais non c'est pas intéressant pour le truc en dehors du continent. Ah, on peut se refaire une route commerciale. Je peux faire un apôtre à nouveau. Apôtre. Dogme, donc on en avait fait un autre, donc opéra et ballet. Allô. Hop là. Alors Aix-la-Chapelle, on va te faire faire. Je peux faire un centre de diffusion, on le fera pas maintenant. On le fera après. On va déjà faire le réseau d'égouts qui donne des habitations. Mayence, on va te faire faire. Alors, j'ai de l'habitation, pas un problème. Plateforme commerciale. Oh, plus 3 ici d'or. Allez, nickel, on fait ça. Tu as une prod. Ici, qu'est-ce que j'ai besoin? De prod. Besoin de production. Oh, plus 5? Ok, on fait ça là. Un émissaire, je suis suzerain ici. Genève, non, mais c'est pas grave. City, Égypte, 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 Égypte. Preslav. On va essayer de reprendre Preslav.
Enfin, je l'ai repris, hein. Je suis pas sûr, mais... Ouais, j'ai repris presque là-bas. Ok, nickel, ça c'est bon. Alors, toi... Putain, mais il y a trop d'apôtres. Alors, cet apôtre. Je regarde, j'ai pas un petit grand barbare quelque part. Alors, bon, on va aller prendre ces villes-là et petit à petit, on va remonter. Alors, mes unités, le bâtisseur, mine. En vrai, j'ai pas besoin de vraiment faire de mine là. Je peux faire ferme, ferme, ferme et j'ai un très haut de ferme, mais plutôt sympa. On va faire ça plutôt. On fera des mines à d'autres endroits. Enfin, j'ai pas beaucoup d'endroits, mais on en fera quand même à d'autres endroits. Là, on pourra en faire une. Donc, c'est bien. Alors, piquer. Piquer de power. Là. Le piquer, de toute façon, j'en ai pas vraiment besoin. Je vais le laisser là. Mon canon d'artillerie, c'est celui que je veux mettre là. Hop, tu te retranches. Nickel. L'espadassin que je peux faire évoluer en mousquetaire. On va les rentrer là. Nickel. Alors, bâtisseur, filet de pêche. Plus d'or, ça rapporte. J'ai pas mal de trucs qui rapportent de l'or. Il est où mon bâtisseur par là, que j'envoie ici? Allô? Ah, mais il vient d'arriver, ok. Oh, nickel, on a le crabe. Hein? Je me suis autant étendu d'un coup? Nickel. Alors, toi, tu vas dormir pour le moment. Et on passe le tour. Ah! Prospère de mieux en mieux. C'est mieux. Putain, lui il est pas content, il m'a dénoncé. Elle est pas contente, elle m'a dénoncé. Non, non, barrez-vous. Barrez-vous, putain, arrêtez de convertir mes fucking villes. Non, mais la vraie vie, ça. J'ai autre chose à faire. Mais il vient d'être formé. Les mecs, ils attaquent les. En plus, je suis dans mon lieu saint. C'est un moment que je vous désexplose. Oh putain, il va aussi m'attaquer. Votre apôtre, il y a 40 points de dégâts à côté, quoi, please. Mais je prends rien, hein, c'est. Ils sont quand même. Quoi? Quoi? Non, c'est pas là quand même. Mais je perds rien, hein, parce que je suis dans mon lieu. Dans un lieu saint qui est favorable à ma religion, donc je pense que je prends beaucoup moins. C'est pareil, quand tu attaques dans une ville qui soutient ta religion, tu prends moins. Donc bon, c'est un peu con, c'est des suicidaires. Là, je vais les tuer tous les deux. Et puis ils vont être déçus, quoi. Par contre, c'est chiant que les promotions que tu mets à un apôtre, voilà, quoi. Faut que je dise ça à mon frère. Alors, apôtre, promotion, qu'est-ce que t'as? Bah, ça sert pas à grand-chose, donc on va te faire attaquer. Tiens, alors lui, il meurt. Petite ellipse. Bon, excusez-moi, donc je reprends. Hop là. Alors, ici, on en était. Bon, on vient de construire ça. Bah, tu vas faire le champ de riz, là, maintenant. La ferme. Paf, nickel. Alors, on va choisir une technologie déjà. Donc, on a dit. Oh, on pourra bientôt rechercher. On peut rechercher les fusées si on veut. Optimation, mais un savant, un illustre ou un espion. Mais quoi, mais j'ai déjà fait. Je l'ai déjà obtenu 10 millions, toi. Bon. Alors, on va faire l'acier. Comme ça, on pourra faire la tour Eiffel. Choisir production, ici. On a besoin d'habitation. Mais on va pas le faire, j'ai besoin surtout de production. Ah, plus 3 ici, ça m'a l'air pas mal parce que c'est un désert donc. Hop là, nickel. Il était en attente d'ordre. Alors toi. Ouais. Alors toi, t'as 4 constructions. Tu vas faire ferme, ferme. Alors, cet arbalétrier, il va remonter au front là-haut. Non, il se déplace tellement vite maintenant. Une terre d'attente d'ordre, qu'est-ce que j'ai maintenant? Cet apôtre. Putain, mais il me saoule pas, toi, ça me saoule. Alors, mon bâtisseur. Construire ça ici, je vais faire une scierie là, ouais. Pas trop dégueu. Hop là. Ça avance tellement vite, c'est trop bien. Hop là, nickel. Et tour suivant. Allez hop, on avance.
Ah putain! C'est vrai que j'ai un éclairant en truc normal. Allez hop, mousquetaire. On en a pas encore une seule fois depuis le début. Ah, faut que je m'achète un négociant ici. Combien ça coûterait de me l'acheter? 315, mince. Ça coûte cher. Non mais putain, ils sont chiants à faire. Voilà! Voilà! Je vous ai explosé! Et voilà, en plus c'est passé pour moi là. Mais putain, par contre là c'est un peu la merde. Ah oui, bah d'accord. Le mec ils font du 5v2, 5v1 quoi. Voilà! Quoi? Quoi? Mais quoi? Mais oh putain, je suis. Stop les guerres là! Mais allez vous faire voir! Mais putain, mais regardez leur nombre d'apôtres! Moi ça coûte 10 millions de fois pour faire des apôtres et eux ils en ont plein! Non mais pitié! Oh ça me saoule! Attends, la religion les gars! C'est pour ça que dans toutes mes parties que je fais actuellement, j'enlève les victoires religieuses, hein, parce que comme ça j'ai pas besoin de m'y intéresser, parce que ça me saoule de ouf! Quoi? Oula. 100% c'est là-haut. Or, j'ai ramené mon Wiibot là-haut. C'est pas possible. Meurs. Avant de faire la scierie, on va déjà faire ça. Alors ici, qu'est-ce que je te fais? Habitation. Ouais, mais je suis pas pressé de faire l'habitation. Alors, faut que je fasse des biplans, mais j'ai pas envie. À se faire un cuirassé à vapeur, je pense. Envoyer un émissaire. Alors, où est-ce que je peux l'envoyer? Jérusalem. Nice, je suis passé suzerain de Jérusalem là. Qui est tout là-bas, donc j'ai pas mal de vision. Ah, en plus, Jérusalem, c'est. Il est converti à moi maintenant. N'est-ce pas magnifique? Qu'est-ce que j'ai comme unité en attendant toi? Mais putain, mais vous êtes sur. Oh, ça me saoule ça. Alors attends, est-ce que cette case est. Ouais, c'est bon, cette case est bien là. Oh, mais j'ai de quoi faire des mines là aussi, de toute façon. Là, c'est juste que je vais avoir mon trio de fermes, ça va être bien. Putain, mais poussez-vous! Pourquoi je peux pas faire ça? Parce qu'on n'est pas en guerre. Voilà, tu te retranches. Mon bâtisseur ici. Ouais, mais non, mais. Eh, non. Alors. Pourquoi, par contre? Ils ont tous leurs archers à chaque fois là, c'est chiant. Bon, je commence à avoir un vaste empire. Ah, les villes sont un peu collées, mais c'est pas grave. Là, je vais avoir l'acier qui me permettra de faire des cuirassés. Je pourrais faire les artilleries, qui donc c'est ce qui augmente des bombardes, je crois. Ah, ça c'est bien. La tour Eiffel est bien. Pour toutes les cases, attrape plus 2 pour toutes les cases de votre civilisation. C'est énorme. Pardon, j'ai pas vu que j'avais un truc. Alors, tu te retranches, toi. Attends, mais le bâtisseur. Tu passes ton tour. Je veux juste détruire lui, après tu pourras réparer. Parce que lui, il va me faire chier aussi. Je vais envoyer un des cuirassés à vapeur là-haut. Hein. C'est pas possible. Là, tout ce que je me fais attaquer par la mer. Ce n'est pas possible. Oh putain, ils sont chiants. Oh là là. Et pourquoi? Oh là là, je vais leur déclarer. Mec, on va devoir discuter. Quoi, dans l'erreur? Pas du tout. Arrête de convertir mes putains de villes, sinon je te déclare la guerre. Une guerre sainte, mec. Et je t'explose. Et quoi? Oh là là, mais ils sont chiants là-haut. Et ils sont chiants, hein, vraiment, à me.
Mais où? Lol. Ouais, non, ça sert pas à grand chose. Hop. Putain, mais mourez! Voilà, moins 100. Pourquoi t'as pas fait moins 100 à l'autre, mec? Choisir un dogme. Alors, un dogme, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça. J'ai pas fait le musée archéologique. Mais c'est pas grave. Alors, ici, on va envoyer de Aix-la-Chapelle à Shenyang. Choisir prod. Alors, Aix-la-Chapelle, qu'est-ce qu'on va te faire faire? Attends, j'ai 21. J'ai 10 habitations de plus, quoi. Je pense que c'est la nourriture qui me manque vraiment. Ouais, je crois que j'ai plus 33, ça. Ça va à peu près. Ce prochain tour qu'on peut faire ça. Négociant, non. J'ai pas envie de faire des militaires pour le moment. Laboratoire de recherche, non. Bah si, on va faire ça. Un émissaire, on va l'envoyer à ici comme ça on a un plus 3. Là j'essaye d'avoir au moins des plus 3 pour avoir de partout quoi. Ouais, je peux pas encore là. Il est en attente d'ordre. On bâtisseur. Mais putain, mais enlevez-vous de là! Enlevez-vous de là! Il te reste deux constructions. Bon, c'est pas grave, tu peux faire quand même cette mine là. Mais barrez-vous de là! T'es so chiant. En vrai, c'est grave chiant le fait qu'ils bougent même pas leur putain d'unité. Je peux rien faire, hein. Je peux même pas les construire ici, quoi. Il est où le colon là? Ah, il est là. Pourquoi tu veux passer par là? Alors qu'il y a ici pour passer. C'est vrai que j'avais envoyé un colon. En fait, si je me le fais capturer, c'est pas grave, mais. Fait, je pense que je vais plutôt attendre avant d'installer, voir si je trouve de l'aluminium ou du charbon. Hein? Quoi? Où? Là-haut? Non, mais vraiment? Pas grave, j'irai le rechercher, mais. Je vais le rechercher là même maintenant. Mais. Avec mon chevalier. Mais oh, allô. Merci. C'est mon bâtisseur, ça, merci. C'est terrible ça. Alors, ici, on a dit qu'on allait faire. Ah, j'hésite. Ça je peux l'avoir donc je peux attendre encore un peu. Par contre, on en parle du perceuse parce que là aujourd'hui il y a mon poêle qui est en train de se faire installer. Enfin aujourd'hui ça sera pas la vidéo qui sera postée aujourd'hui mais. Alors, bon 5 tours ici on va faire ça. Putain, personnage illustre. Savant, ah nice. Nickel. Alors ici qu'est-ce qu'on te fait? Ah hop, réseau d'égout, t'as pas assez d'habitation. Ah ils se sont barrés, c'est con. Et voilà, là on a un rendement plus important de ferme. Et là, il n'y a plus de déclin. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Il est où le. Là. Ici. Pour l'informatique, il était un injecteur de l'ère moderne. Mais putain, mais j'ai déjà l'informatique, hein. Ah ouais, j'ai pièce de rechange, c'est bien parce que je l'avais pas. Ah mais. Et donc. Ah. Attendez. De quoi déclenche un Eureka bidule chouette, c'est où déjà? Ah, une optimisation, viens ça. Ah, optimisation. Ah oui. Eh ben non. Alors, ici, vite fait. Bon, si c'est moi qui vais l'avoir, là, ça risque d'être moi. Le prochain savant, c'est pas du tout moi. Technologie aléatoire de l'art moderne ou atomique applique 20 points de personnage juste gratuit. Oula. Ah, c'est pas moi qui vais l'avoir pour le moment, alors qu'il est bien. Lui, c'est limite avec Rome. Il est un peu en avance sur moi, Rome, mais. C'est pas grave. Allez, on continue, on avance. J'espère que vous entendez pas trop le. La perceuse, parce que c'est terrible. Pourtant, toutes les portes sont fermées, hein, chez moi, mais.
Je pense que je vais mute en fait, tant que... Enfin, quoi que non, ça sert à rien. De toute façon, il reste 4 minutes, à peu près. Ah, je pouvais faire un... Oups. Ça me saoule. Je vais faire un apôtre, mais ça me saoule. Mais putain, mais dégagez vos putains d'apôtres! Mec, si tu me convertis encore une de mes villes, je te déclare la guerre. J'ai pas tant de soldats que ça. Mais ouais, quand même, là, il rapproche tous ses soldats. Ça veut dire qu'il veut déclarer la guerre. Au pire, je lève cette armée. Non, j'ai pas envie de lever parce que ça coûte trop d'argent. Là, lui, il a du diamant ici. C'est bien. C'est des villes riches. Lui, il a plein de choses. Cette ville-là, de toute façon, je vais la prendre. Toutes ces villes-là, ici, je vais les prendre. Celle-là aussi. Alors. Où est-ce que je vais? Aix-la-Chapelle, tu vas aller à... Ici, c'est bien, ça rapporte pas mal. À Jiadong. Choisir une... Ah, attendez, stop. Je tiens à choisir une prod. Là, oui, à Heidelberg. Port, réparation. Voilà. Chevalier, tu reviens là. Tu te retranches. Bâtisseur, tu répares ici. Choisir une production. Ici, j'ai pas encore besoin d'habitation tout de suite. Nourriture peut-être un peu plus, ça en plus ça donne la nourriture et un emplacement pour citoyens, bibliothèque, ou sinon je fais de la bibliothèque, j'améliore ou j'améliore ma plateforme commerciale. Mon atelier. Alors, on va améliorer le Hans, puis la plateforme commerciale après. J'ai encore oublié de recruter un apôtre, c'est pas grave, on le fera au tour prochain. Hein? Oui, bonjour. Oh! Y a beaucoup de gens, dis donc là. Non mais... Retourne en mer. Retourne en mer. J'attends de voir quand j'aurai l'aluminium. Là, je vais trouver l'aluminium. J'attendrai de voir pour le pétrole aussi. Parce que le pétrole, on le trouve en pleine mer. Leur armée! Allô? Oui, c'est vrai que c'est leur... entre guillemets... Pouvoir, c'est quand ils forment une unité de cavalerie, ils en ont deux. Bon, après, c'est que des cavaliers classiques, quoi. Enfin, ça se défonce en un rien de temps, quoi. Donc, ça va. Bah, oui, heureusement. Je me suis pas réinstallé là-bas, c'était juste pour avoir une île là-bas. Hein. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Ah mais il m'a volé mon tour de merveille lui. De merveille naturelle. Je me suis jamais installé à côté. Mais... Ah mon petit cuirassé à vapeur. Petit cuirassé à vapeur, tu vas aller par là. Ah je peux refaire une route commerciale. Je crois que je peux m'acheter... Alors on va s'acheter un... Acheter de... avec de l'or, on va s'acheter un négociant. Alors à Magdebourg. Bon j'ai besoin d'habitation. Ah mais il faut que je fasse... Ah c'est un temple ici que je peux faire. C'est ce qui me semble... Ah non mais oui, non mais c'est ça après. Ok, oui. Pff, je suis bête. Un emplacement pour citoyen, prophète, un emplacement relique. Faudrait que je fasse le temple. On va faire le temple. Ça permettra de former des apôtres ici aussi. En parlant d'apôtres, faut que je le fasse. Alors on va faire ici la centrale. Alors ici on va former un apôtre. Mon bâtisseur, tu vas réparer ici aussi. Ah bah c'est le dernier tour, à la fin de ce tour on arrête. On va s'arrêter. Hop, je regarde s'il n'y a pas autre chose. Alors toi je viens de te former. Oh, j'ai trop de soldats là. Bah après ces trois soldats là pourront marcher sur sur les villes au cas où s'ils m'attaquent. Donc c'est pas un souci. Lol. Le mec il savait plus où mettre ses soldats et il les a tous mis là. Je vois pas ce que c'est. Ah, à moi. Quel? À moi, pas à moi, pas à moi. Ok. Bon, ben, on va s'arrêter là, les gens. Je vous dis à une prochaine pour un nouvel épisode. Allez, bye!